Akdamot Rabot. Il y a un genre de sechel, l'intelligence, qu'il faut apprendre beaucoup d'introduction. Quelqu'un ne peut pas sauter dans la chirurgie, il doit apprendre beaucoup de choses basiques dans la médecine. Et aussi dans la Torah, il faut apprendre beaucoup de choses basiques avant de rentrer dans les sodot. Il dit, « Vasechel azeh, il connaît Meshem Achor. » Il y a un autre genre de sechel, « Sheba l'adam, beloshu makama. » Il y a un genre de sechel, d'intelligence divine, « Blishu makdama. » Qu'Hachem il donne un cadeau gratuit, elle a l'idée chef à l'okir. Mais il me connaît le chef Kedem. Maintenant, il dit, Rabbi Nachman, avant la guerre, il y a le chef à l'okir, d'arriver à recevoir ce chef à cette amenance divine. Il est char la vol à zé, elle a chez Kadesh, et puis, prêtement, il a dans Znav, la menorah du visage. Et là, ça éclaire. Le chef à l'okir, dans le troisième paragraphe, il dit, Rabbi Nachman, Azot ou Bechinat Souka. Et Rabbi Michal l'a expliqué comment on est dans la Souka. C'est une Bechinat de Shafaloki, qu'on peut recevoir des Horot, du Da'at, du vrai Da'at, du Tzadik Ayomed. Qui Souka ou Bechinat Shesacha, le Roi HaKodesh. Qui Roi HaKodesh ou Shafaloki. Le Souka Anal, quatrième paragraphe, le Roi HaKodesh, Shafaloki Anal ou Bechinat Makifin. Toutes les choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à tel point, chacun est bien en vie, jusqu'à tel point, comme il a dit Rabbi Léon Khabib, on est bien, on est des gens bien, jusqu'à quel point chacun est spécial, jusqu'à quel point on peut être capable d'aimer le prochain, jusqu'à quel point chacun il est béni. Et là, il continue, dans la prochaine paragraphe, « Dash et Zéikar, Kouach Aptira, Kouazman, Chassechel, En Kouach Gadol. » Avant que l'esprit devienne grand, et l'homme, il a beaucoup de da'at. Il y a d'après là, l'homme, il peut choisir de faire une mitzvah ou ne pas faire, de faire une avirah chas v'shalom, de faire une bonne décision. De plus, quelqu'un a guéri du da'at, c'est clair pour lui qu'il n'y a même pas de choix, il n'y a pas de prira. C'est clair, je fais Shabbat, je parle à Hachem quand je peux, je vois que la nekudat va chez l'autre, j'aide l'autre quand je peux, je fais ce que je peux pour Hachem, parce que je comprends que ma mission sur terre, c'est d'étudier la Torah, de vivre avec Hachem et de préparer le monde à venir. Et bien, Ahmed, j'ai le mérite, encore je remercie Hachem infiniment, je ne saurais jamais c'est quoi cette mérite de brancher cette famille de Vacha et d'étudier avec Rabbi Michael. Et il m'a infusé ce da'at que Ahmed, il n'y a rien à faire dans ce monde, à part la Vedat Hachem. Il n'y a rien à faire ici. On dit que Chassid de Breslev se demande chaque jour qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Ce monde, c'est Olam Hashem qui a promis ici pendant la fête pour le Simchat Torah. Alors si on veut vivre une vraie vie, il faut regarder dans le monde à venir pour se brancher à la vérité. Et Aaron, pour lui, il vivait avec ce Chefa Eloki. Il n'y a plus de Bechira. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, je l'aide. Il n'y a même pas de question, il n'y a même pas d'Avamina. Quelqu'un qui a besoin de minyan, je suis en retard pour l'armée, il n'y a pas de question. Ma mission, c'est la Avodat Hashem, c'est aider ce juif-là. J'ai besoin de lui. Je peux l'aider, je le fais. Chez lui, c'est la Bechina d'avant la création du monde. Il n'y a que du Tov, il n'y a que du Emet, il n'y a que de la Kdusha. Il n'y a rien d'autre. Il n'est pas rentré dans la Bechina de ce monde. Il est resté dans la Bechina de l'Ifne Abriya. Dans la Torah d'Aled, de l'écouter Tinyana, Rabbi Nachman explique que tout le travail d'un juif, c'est de casser sa achzariyut, sa cruauté, et de vivre avec la rachmanut, d'avoir la miséricorde, la compassion. D'habitude, la achzariyut, ça s'explique comme quelque chose d'actif. Quelqu'un, il a fait un acte cruel. Il a touché l'autre mal, il a parlé mal à l'autre, il a blessé. Mais Rabbi Nachman, il met la barre beaucoup plus haute que ça. Et c'est ça la bechina de Aaron. Quelqu'un de Arzar, c'est si je peux t'aider, je sais. Alors on a dit que tout est Bajgarapatit. Si j'entends que l'autre il a besoin de quelqu'un pour l'écouter, c'est pas un hasard. Si j'ai connu cette famille maintenant et pas après, c'est pas un hasard. Si l'autre a besoin de l'argent, l'autre il a besoin de soutien, l'autre il a besoin de n'importe quoi, c'est pas un hasard. Et Aaron il vivait dans cette Bechina de Kulo Rachmanut parce qu'il sentait que c'est de l'Arzariut. Si un juif a besoin de quelque chose, un frère juif, une soeur juive, et je peux l'aider, c'est cruel de ne pas l'aider.
Il ne pouvait pas fermer les yeux, ça n'existait pas chez lui. Il y a une Gemara dans la Masechet Sukkah, Daf Nun Bet Amud Aleph,